Vous savez, j'ai bien connu Jeffrey Wood avant qu'il ne devienne ce tueur en série, Jeff the Killer. Au vu de ce qu'il a commis, vous allez penser que c'était un dérangé depuis son plus jeune âge. Mais vous vous trompez complètement. C'était même un bon gamin, entouré d'une famille aimante et d'un frère avec qui il s'entendait très bien, Liu. Finalement, c'est cette époque de merde qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Cette époque de merde est Randy, Kev et Troy, ces trois petits cons. Dieu seul sait s'il aurait été différent s'il n'avait pas croisé la route de ces trois-là. Toujours est-il, et que dès le premier jour de sa scolarité, à 13 ans, il se retrouvait face à ces abrutis de gosses qui ont décidé de le prendre en grippe. On dit souvent que les plus calmes sont parfois les pires. Eh bien, dans le cas de Jeffrey, c'était la réalité. Mais après tout, il n'a fait que répondre. Ces trois brutes, en tout cas, ont été bien surpris lorsque le frêle Jeffrey leur a mis une bonne dérouillée. Mais ce fut Liu qui dut porter la responsabilité de cet acte violent, lui causant un blâme et une arrestation. Devant tant d'injustices, Jeffrey se mit à sombrer peu à peu dans une dépression profonde. C'était là le premier signe de son basculement dans une folie certaine. Et malheureusement, après quelques périodes de paix, les trois Lascars s'en sont repris à nouveau au jeune homme, lors d'une fête. Mais cette fois, avec des conséquences bien plus graves, en le couvrant d'eau de Javel et en le brûlant vif. Et même s'il eut le temps de se défendre en tuant l'un d'entre eux, il finit par perdre connaissance. Pour se réveiller à l'hôpital, la tête couverte d'un bandage, accompagnée d'une souffrance très intense. Une fois ces derniers retirés, il découvrit son nouveau visage défiguré, pâle, avec une texture de cuir et des lèvres rouges sang. Contre toute attente, le jeune homme se prit d'affection pour sa nouvelle apparence. Il éclata de rire en découvrant celui-ci. Un rire hystérique. Deuxième signe de la folie qui l'envahissait un peu plus. Le soir, il put enfin retourner chez lui. Sa mère le découvrit alors avec horreur, en train de se sculpter le visage avec un couteau. Il dessina sur ce dernier un sourire qui ne pourrait plus jamais s'effacer. Ne plus se forcer à sourire, montrer au monde entier qu'il était heureux de cette nouvelle apparence. D'ailleurs, afin de s'admirer constamment, il a pris aussi la décision de se brûler les paupières. Ainsi, plus moyen de fermer les yeux. Le troisième signe de sa folie se précisait. Les parents inquiets comprirent alors que leur fils avait perdu la raison et qu'il fallait agir. Mais ce fut Jeffrey, ou plutôt Jeff, qui agit. Il les poignarda à mort, après avoir entendu une conversation où ils avaient décidé de le supprimer. Liu, qui était libéré de sa détention, fut réveillé aussi par le bruit, mais Jeff ne lui laissa pas le temps d'agir. Il lui planta aussi son couteau dans le corps, en formulant pour la première fois sa phrase fétiche « Va dormir ». Rebaptisé Jeff the Killer, Jeffrey est depuis un tueur en série qui tue toutes celles et ceux qui refusent de dormir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été actif. Terrible histoire, n'est-ce pas? Ce jeune homme, au demeurant calme, tranquille, dont l'innocence s'en est allée définitivement pour basculer vers l'horreur, et tout ça en tellement peu de temps. Devenant ainsi un pur produit de la société dépravée dans laquelle nous évoluons au quotidien. Mais vous, dites-moi, quelle est votre histoire? Pourquoi êtes-vous devenu ce sombre alcoolique dépressif? Avez-vous eu une enfance malheureuse? Avez-vous été victime de violences, d'attouchements? Êtes-vous issu d'un milieu où l'alcool était grandement consommé? Dites-moi, je suis curieux de savoir. Depuis tout petit, je bois. Là où j'ai grandi, on vous donne de l'alcool pour tout un tas de choses. Pour ne pas avoir froid l'hiver, pour être un homme, pour dormir, pour avoir du courage. Alors naturellement, vous tombez dedans, et ça ne vous quitte plus. Oh, je vois. Vous aussi, vous êtes finalement victime de cette société diabolique. Mais comment vous sentez-vous depuis votre accident? Je n'arrive plus à dormir. Je revois sans cesse le moment où cette fillette traverse juste devant moi.
Je sais que si je n'avais pas bu ce jour-là, j'aurais pu l'éviter. Mais je ressens encore l'impact de ce petit corps contre ma carrosserie. Je n'arrive pas à m'en retirer cette image. Vous savez, j'attends ma condamnation avec impatience. Je peux payer pour ce que j'ai fait. J'ai ôté la vie de cette petite et je m'en veux tellement. Je n'arrive même plus à dormir. Je comprends. Elle était si pleine de vie, cette petite Elia. Vous la connaissez ? Eh oui. Au même titre que Geoffrey, d'ailleurs. J'ai omis de vous raconter ce qu'il est devenu. Aussi étrange que cela puisse paraître, il a disparu en pleine gloire. Certains disent qu'il est mort. D'autres disent qu'il écoule des jours heureux quelque part. On dit même qu'il aurait changé de visage, qu'il aurait réparé ce dernier grâce à la chirurgie esthétique. On lui prête une vie rangée avec une femme et un enfant, une petite fille, au doux nom d'Eléa. Vous êtes ? Eh oui, je suis Geoffrey. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais vous savez, à vrai dire, même si je me suis calmé, et même si mon apparence est, disons, plus esthétique à vos yeux, elle sommeillera toujours au fond de moi, une part de Jeff the Killer. D'autant que vous m'avez arraché l'amour de ma vie. Oh, n'ayez crainte. Malgré ma grande colère, je ne vais pas vous faire de mal. Je vais même vous rendre un immense service. Vous m'aviez dit à l'instant que vous aviez du mal à trouver le sommeil. Eh bien, va dormir.